Au mois de juillet dernier, là, il y a eu la 15e synergie des Bayous sur la plaine de l'Agora à Commentry. Est-ce que, déjà dans un premier temps, tu peux nous parler un petit peu de cette synergie? Qu'est-ce que c'est que cette synergie des Bayous? La synergie, c'est l'occasion qui se donnait par notre travail, par notre manifestation, à des trikers, des bikers de France et d'Europe, de se retrouver à Commentry tous les ans. On dit on va à la Bayou, on va au Bayou, on va à Commentry, on va à la Commentry, ils disent même. Voilà. On a la chance d'être, je le dis souvent, je me répète encore, à peu près au milieu, à égale distance Dunkerque, de Lille, de Marseille ou de Biarritz. Voilà. Et donc les gens se retrouvent chez nous. Parfois, souvent même, j'écoute, ils se voient une fois par an, chez nous. Mais c'est au Bayou. Je pense que c'est en partie ce qui fait le succès de notre manifestation. On vient se greffer là-dessus l'entrée gratuite, bien entendu, la qualité de la restauration, parce que voilà, je pense qu'on peut prétendre faire de la restauration de qualité. Nous préparons une sauce Bayou. La sauce Bayou, c'est quoi la sauce Bayou? Donc je suis seul à avoir la recette. D'accord. C'est une sauce Bayou très très bonne pour le bambou. C'est important, ouais. Ah oui, avec la sauce Bayou, ça va. Tout va bien. Tout va bien. On se prostitue, je dis toujours, pendant 3 jours, à faire nous-mêmes à boire et à manger et préparer la cuisine avec des produits locaux, qu'on prend dans les commerces locaux. Voilà, et bon, on essaye de faire ça bien, et bon, on est à la 15e, ça marche toujours aussi bien. Bon, ça n'est la 15e, pour revenir à ta question, ça a été une catastrophe en météo. En termes de météo, c'est une des premières, voilà. La 15e, est-ce qu'elle avait quelque chose de particulier par rapport aux précédentes? Oui, on avait, la météo nous a ensuite, perturbé, on a fait appel à des concerts un petit peu, on va dire un peu plus chers, des groupes d'un niveau un petit peu au-dessus. Un peu plus ordonné. Puis on en a mis 12, 12 concerts, d'habitude on en fait 8, c'était une grosse dépense, D'où c'est parti finalement cette idée de se réunir tous les ans à Commentry? Donc nous étions, on a toujours été une bande de copains, depuis à rouler dame du dimanche sans titre et sans raison, et un jour avec mon ami Biscuit, donc nous avons rencontré un triker qui avait ouvert un commerce à Commentry. D'accord. Et l'idée est venue de faire une manifestation qui permettrait de réunir les 3 roues et les 2 roues. Parce que tous les trikers vont te dire, moi-même qui ai la chance d'être et triker et biker, motard, en trike, certains motards m'ignorent, parce qu'ils estiment qu'on n'est pas vraiment, vraiment motard, puisque pour conduire un trike, permis de voiture suffit. Et donc, voilà. On essaye donc, nous, de réunir ces gens-là. Donc, il est né Track and Bike. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Au début, on s'appelait Track Attitude 03. D'accord. Parce qu'on s'était greffé sur une première manifestation sur le territoire français qui était dans le Nord et qui a bien voulu se déplacer à Commentry. Et puis, chemin faisant, quelques temps avant cette réunion, on s'était pas bien mis d'accord sur les conditions avec ce président de l'association du Nord, Track Attitude. Donc on a changé le nom pour les Bayous. Cette rencontre, quand on écoute un petit peu les gens en parler à droite à gauche, on se promène un petit peu, pour beaucoup c'est une réunion de trike, autant que moto, voire presque plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, au début, puisque le track est plus imposant, je pense que dans un groupe de véhicules, il peut y avoir 10 trikes et 10 motos. On regarde d'abord les trikes, puisque c'est des véhicules marginaux, il n'y en a encore pas beaucoup. Grâce à nous, ou à cause de nous, il y en a de plus en plus. Je vois dans la région, je rencontre des gens qui m'ont dit, qui me disent, par exemple, ça me fait plaisir, Alvaro, tu nous fais rêver. Je parlais l'autre jour avec un grand costaud qui me disait « Depuis que la synergie existe, tu m'as fait rêver. Je suis devenu motard à cause de toi, ou grâce à toi. » Ça fait plaisir. Et il est vrai que le trike, j'ai eu des occasions de rencontrer des distributeurs français, parce qu'ils sont pas nombreux, dans des réunions dans le Sud, entre autres, qui m'ont dit « c'est grâce à des manifestations comme la nôtre,
que le track devient populaire. Se démocratise un peu plus. Voilà. Quoi. Ouais. D'accord. Alors justement, tu faisais allusion donc au nom les Bayous auxquels tu tiens particulièrement. Mmh. Et ben du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu y tiens particulièrement à ce nom des Bayous là? Oui, non. Voilà. Oui, ça remonte à l'adolescence, puisque quand j'avais 14 ans, je n'étais pas comme les copains, la boucle d'oreille et les cheveux longs, et la maman, qui est donc ma maman qui est portugaise. Qui était, elle n'est plus de ce monde, elle disait, Alvaro, où tu vas? Et moi, je disais, ben, maman, regarde, je vais avec mes copains. Mmh. Mais regarde la dégaine de tes copains, Alvaro. C'est des bayous. Au lieu de dire un voyou, elle disait un bayou. Voilà. D'accord. Et mon ami Biscuit, qui était au courant de mon attachement à ce nom-là, l'a suggéré au bureau quand on a fondé le club, et on était à Hérisson. Et c'est là qu'on a décidé de nommer l'association Les Bayous. Et donc Les Bayous, c'est un incontournable maintenant? Incontournable pour moi, ouais. Parce qu'il y a tellement comme grosse concentration dans le pays, American Tour, tout ça, que moi, mon choix s'est fait impossible de louper Les Bayous une fois par an. C'est impossible, je ne peux pas. D'accord. Même s'il faut que je vienne à pied, je viendrai à pied. Bon, ben un bon VRP pour Les Bayous, alors merci. Hein. Ouais, bah vive Les Bayous. Donc du coup, Alvaro, si tu devais nous décrire un petit peu l'esprit des Bayous. Pour les Bayous, ben, on est une trentaine de Bayous, à porter les couleurs, et parce que bon, c'est un petit peu compliqué. À côté de ça, vient se greffer des amis qui nous aident, motards ou pas motards, une soixantaine à peu près. Hein, voilà. Ce qui fait que quand on veut faire un repas important, ben, on avait tous retrouvé une centaine. C'est comme ça, c'est du bonheur. Mais voilà, donc les Bayous se maintiennent grâce à ces bénévoles. Hein, si je ne les avais pas, ben, je ne pourrais pas faire. Voilà. Après, on a quelques professionnels dedans qui nous permettent quand même de garder, j'ai deux responsables cuisine et bar qui permettent de garder un œil. De tenir un peu le truc sérieusement, quoi. Bon, il faut, parce que bon, c'est quand même c'est quand même pas rien. Il y a quand même pour 5 000 euros de viande rien qu'à un endroit. Donc ben, il ne faut pas y laisser tourner, il ne faut pas y laisser abîmer, il faut quand même que ce soit mangeable. Hein. Et tout le monde me dit, on vient au Bayou, enfin pas tout le monde, heureusement, mais je veux dire les gens du coin, me disent, on vient au Bayou pour manger ton gigot avec des flageolets, par exemple. Bon, ben, voilà, c'est Alain Bougaré qui l'assaisonne et qui assaisonne les gigots. Et, vous avez vu la rôtissoire, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de Montrer. C'est extraordinaire. Quand je me promène un peu les Bayous avec la caméra, puis que je filme à droite à gauche, ce que j'entends souvent dire, c'est que les Bayous, c'est une manifestation conviviale. Il y a des manifestations, des rencontres, des concentrations de motos où il faut presque faire partie, on va dire, du clan, on va dire. J'exagère peut-être un peu, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui retient l'attention au Bayou, c'est que monsieur, tout le monde peut y venir. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'on soit motard ou pas, finalement, c'est un peu, tout le monde est un peu chez soi. Qu'est-ce que tu en dis, toi, tout ça? C'était une volonté, c'était... Il est vrai qu'on ouvre, on est ouvert à tous. Hein, je veux dire que tu es une 125 à 300 euros ou une moto à 70 000 euros, tu seras considéré de la même façon. Et ça, c'est important. Il n'y a que les quads, ils sont bienvenus sur le site, que pendant les balades, ils gênent trop, parce que c'est pas prévu pour rouler sur la route. Et dans les virages, ça ralentit. Les gars qui s'occupent de la sécurité des balades me disent, évitons les quads, ça ralentit trop le convoi. Et on a des convois qu'on essaye de maximum 300-350, puisqu'on n'est autorisé qu'à 400 véhicules sur la voie publique sans autorisation. Et donc, on essaye de compter, d'encombrer au carrefour le moins longtemps possible, parce qu'on peut très bien comprendre que le commun des mortels, qui reste une heure à attendre à un stop que les motos passent, ils disent « Oh, ils se croient où, les gars, là ?» Oui, tout à fait, C'est vrai qu'il faut faire attention. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Bayou, tout le monde a sa place. Absolument, tout le monde est le bienvenu, peu importe la mécanique, la marque et le modèle. Il n'y a pas de souci. Bon, les piétons également, puisque j'essaye des ballons, des châteaux gonflables, pardon, des jeux des manèges de mini quad. On fait les minimis pour les filles, c'est un bon moment. On met de la danse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. J'ai vu, on me dit toujours, tu fais toujours la même chose. Ben, regarde, l'année dernière, j'ai vu une dame avec une chaise roulante.
sur le podium de la country, une dame handicapée, parlait. Ça, seulement cette image me stimule pour continuer à faire la danse country. Parce que voilà, c'est... on essaye d'intéresser un maximum de gens. J'écoute encore, il m'est arrivé encore d'entendre, ouais, j'ai jamais été au Bayou. Et je lui dis pourquoi ? Oh, c'est un milieu que. Voilà. Les gens ont un a priori, un faux a priori sur ce milieu. À cette manifestation des Bayous, il y a pas mal de musiciens, et depuis des années. Donc du coup, par rapport à les Bayous, c'est pas finalement aujourd'hui qu'une concentration, un rendez-vous de motards, de trikers, c'est aussi une scène musicale. On essaye de palacher, j'essaie de palacher avec du rockabilly, du rock, on a même été un petit peu vers le métal. J'essaye de palacher, de faire... Pour qu'il y en ait pour tous les goûts, quoi. Qu'il y en ait pour tous les goûts, voilà. Bon, ça marche. Jusqu'à présent, ça marche. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Après, les gens, je ne les démarche plus. C'est eux. En septembre, j'ai déjà une liste de groupes phénoménales. Encore hier, deux. On a Guillaume Eldora Productions aussi, qui nous fait du très bon travail, même si... ça nous fait une grosse dépense, mais bon, le matériel est là. On n'a rien sans rien. Comme on a à notre synergie des responsables et des clubs moto de partout, ils voient les groupes. Et les gens me disent le Bayou devient un tremplin par le fait que c'est vu de partout. Mmh. Ils ont eu des cachets un peu partout en France depuis qu'ils sont passés chez nous. Et donc les gens, il y a ça. Puis bon, il y a Internet. Et puis bon, on a une belle sonorisation. On a du bon matos. J'ai des groupes avec un G majuscule qui ont été stupéfaits d'arriver dans une petite contrée comme la nôtre et de trouver une telle technologie. Hein. Ils me l'ont dit ouvertement. Les gars de Paris... les gars de Paris, parce que bon, c'est quand même une référence, mais des groupes qui tournent internationalement, qui m'ont dit, voilà, l'année dernière, je reprends Rodeo Joe ou Wetmess, qui partait en Angleterre, et lui, l'autre, Amérique du Nord, il me disait, je suis stupéfait de voir une météo comme ça et tuer autant de monde. Ce n'est plus que des gens locaux, les gens locaux sont surtout venus le dimanche, et les gens de loin... Peu importe la météo, ils ont pris leur congé pour venir au Bayou, ils restent une semaine, on en parlait tout à l'heure, ils restent dans les hôtels, ils font tourner le commerce, et, ben, c'est des gens qui regardent moins la dépense puisqu'ils sont en congé, et c'est vrai que ça fait... Ouais, je vois les gens dans les terrasses des restaurants, ça fait plaisir, hein, parce que le but c'est aussi ça, c'est pas uniquement de remplir... les barnums chez les Bayous, hein, c'est aussi... Les hôtels sont réservés d'une année sur l'autre. Hein. Les groupes, ça va, on arrive toujours à trouver des groupes intéressants. C'est l'animation, hein, une animation qui soit attrayante. Cette année, on avait opté pour l'Inja, le Fakir, avec ses serpents, avec ses hypnotiseurs à valeur de sabre. À cause de la météo, il n'a pas pu se produire sur scène. Il n'y a pas que des animations, de la musique... puis de la restauration, il y a aussi des commerçants, des exposants. Voilà, ça c'est pareil, au début, c'est un autre, pour parler des Bayous, au début, avec mon épouse, toc toc toc, hein, regarde le flyer, regarde le programme, est-ce que tu veux venir chez nous ? J'ai des exposants qui m'ont dit, à voir ton programme, je viens. Ouais. À voir le programme que tu as fait, le livret, hein, le petit livret, la qualité du livret, ça doit être bien, je viens. Il est vrai. Aujourd'hui, on a que l'embarras du choix. Aujourd'hui, il m'est arrivé pendant 2 mois de refuser 5-6 exposants par jour. Déjà des exposants d'inscrits pour l'année prochaine. Tu en as entendu parler comment Des amis à moi qui la faisaient, parce que je fais quand même pas mal de concentration sur le sud-ouest, parce que je suis de Bordeaux, et qui venaient, qui m'ont dit que du bien des Bayous, donc je suis venu depuis 2 heures. Donc. Voilà. Comment tu la qualifierais cette... C'est une manifestation populaire et agréable avec beaucoup de trikers, donc on n'en voit pas énormément en trike. Moi je suis plutôt surtout sur la Harley, mais en trike c'est aussi une bonne manifestation sympathique. Voilà. Ouais. C'est simple, convivial, il n'y a aucune retenue, ça se passe très très bien, les gens sont vraiment conviviaux et sympathiques. Pas moi, le bon client, c'est plus... j'allais dire le badaud, pas le badaud, le badaud, celui qui n'a même pas de moto, à qui l'épouse va offrir un blouson en faisant 2 chèques, parce que bon, c'est des imprévus, c'est celui-là le bon client. Et celui-ci, on l'a, nous. C'est en partie aussi pour ça qu'on reste en ville,
qu'on reste à l'agora, parce que aller dans des contrées où on serait plus tranquille, qu'on pourrait faire du bruit sans nuire à personne, on n'aurait pas cette... Et puis j'aime bien ces échanges. Alors après, l'autre particularité de notre manifestation, pour finir, ou pour finir ou pas finir, mais c'est le fait que les motos soient en cercle sur le site même. Voilà. Moi, je suis allé à Kyria. Première année, j'avais acheté mon Harley Davidson, mon Fat Boy que j'ai toujours. Ma moto était garée 5 champs plus loin, sous la pluie. Je me disais, quand je les voyais faire, ces grands chevelus là, qui ne parlaient pas notre langue, quand je vais arriver là-bas, qu'est-ce qui va rester de ma moto? Ouais. Est-ce qu'ils ne vont pas piquer ceci? Est-ce qu'ils ne vont pas piquer cela? Enfin, nous, on a cet avantage, c'est que tu sois au bar, que tu sois au restaurant, que tu écoutes la musique, tu vois ta moto. C'est ça, c'est important. La ville de Commentry et la communauté de communes, parce que bon, c'est quand même très important. Donc, c'est eux qui nous prêtent les tables, les chaises, 80% des barnums. D'accord. Le petit podium, hein, puisque le grand, ils l'ont plus, on va être obligé de le louer, mettent à disposition le site, les armoires électriques, nous payent l'électricité, maintenant, avant c'était moi qui étais obligé de faire venir l'eau, parce que bon, il y a quand même une consommation d'eau. Non, il faut remercier la municipalité, bien entendu, qui joue le jeu, bien entendu. Il y a, tout à l'heure tu disais, sans les bénévoles, forcément, on ferait rien. Ouais. Les bénévoles... C'est vrai qu'ils sont partout, dans les cuisines, au bar, sur les routes, sur le terrain pour nettoyer en permanence, l'accueil des musiciens, enfin, voilà, en quelques mots comme ça, tu peux nous en dire un peu plus sur ces bénévoles, d'où viennent ces gens, est-ce que ce sont des locaux, est-ce qu'ils viennent... On a des bénévoles de partout, on en a de trois, il était bénévole, maintenant il est membre du club, puisque sa maman était d'ici, on a sympathisé. Mais sinon, on a beaucoup de bénévoles, parce qu'on a un membre du club, Michel, qui habite à Juliac, en Corrèze. Ouais. Et donc, il s'est venu se greffer des amis à lui qui viennent ici, qu'on héberge au local. Et puis, donc, je dirais des bêtises, mais donc, bon, de Villefranche, de Montluçon, de Doméra, mais de loin, le plus loin qu'on a en bénévole, c'est de Troyes, Denis, mais, et de Corrèze. Voilà, par des amis, parce que bon, on est quand même à la 15e, on connaît du monde, et puis c'est un boulot de préparer ça, c'est un travail phénoménal. On parlait des balades tout à l'heure, je dois fournir en préfecture le parcours des balades, on doit solliciter toutes les communes qu'on traverse, parce qu'on ne traverse pas comme ça. On a des prompteurs, mes responsables de balades ont des prompteurs pour compter les véhicules à tous les carrefours. Il y a deux grands classiques dans les balades, là. Donc, il y a la balade du pont suspendu, et puis la balade de la Sioule. Ça a été choisi, donc, du coup, en fonction de ce que tu disais avant, les autorisations, les possibilités. Tu abordes un autre sujet, les balades, le parcours des balades. Bon, j'ai été, moi, chez des collègues où on se contente de rouler. Rouler sur des grands arbres, c'est pas très intéressant. C'est mieux de rouler quand il y a quelque chose à voir. C'est ça. Alors, chez nous, il y a plusieurs beaux sites. Il y a la forêt des Colettes qu'on faisait autrefois l'Ombrie. Ouais. Bon, mais les deux principaux sites qui sont attrayants, c'est la Sioule, le pont suspendu, les mines d'argent. Après, il faut savoir, les gens ne savent pas, qu'il y a le plan Prime Vert, qui doit dater de février 2012, qui interdit l'accès à certains véhicules en convoi. Exemple, la 71, nous n'avons pas le droit. D'accord. Direction Montluçon, par Chamblay, nous n'avons pas le droit. Montvic, nous n'avons pas le droit. L'Arquille, la D68, nous n'avons pas le droit de l'emprunter. À cause que, en cas d'accident sur l'autoroute, il faut qu'on puisse bloquer l'autoroute et... Délester pas. D'accord. Donc, ces accès sont interdits sans dérogation. Voilà pourquoi on fait toujours les mêmes parcours. Certaines personnes qui viennent au Bayou depuis le début me disaient, bon, on en est un petit peu là. Mais mais malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Je n'exclus pas même de faire comme beaucoup de personnes, donner aux gens un plan et qu'ils aillent se promener eux-mêmes. Comme ça, par petits convois, de moins de 20,
entre parenthèses, hein, parce que tout le monde ne le sait pas non plus, on peut aller où on veut. Alors que nous, en convoi de 400 véhicules, on est obligé de respecter la loi. En même temps, c'est sympa de voir tous ces trikes et toutes ces motos en enfilade. Oui, je pense que... Parce que, enfin, pour l'avoir fait à la fois sur un trike avec la caméra, mais l'avoir vu, ça crée aussi une animation dans les villages quand le convoi passe quand même. Enfin, on voit la réaction des gens. Hein. Quand je démarche une commune en lui demandant l'autorisation de passer, on me répond oui, bien sûr, avec plaisir. Dites-nous quel jour, quelle heure, qu'on le mette sur notre programme de la commune c'est pour que les gens puissent le voir. Bah, c'est une curiosité. C'est une attraction. C'est plus qu'une curiosité, c'est réellement une attraction. Enfin, il faut voir la réaction des gens. Je pense. Le passage, quoi. Donc, pour l'avenir. Comment tu verrais ça, toi, du coup? Est-ce que... C'est une grande question, hein. On a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est... Il faut... Le comment notre milieu bénévole vieillit, on n'exclut pas de faire une année sur deux. On n'exclut pas, bon, pour plein de raisons, en espérant moins lasser les gens, si c'est tout le temps, ça devient moins spectaculaire. Et puis, ça serait plus reposant pour les bénévoles. On n'exclut pas. Bon, moi, je voulais zapper cette année. On ne l'a pas fait. On va faire 2020. On verra peut-être 2022. Je ne sais pas. Bien malin qui peut dire. Bon, peut-être que d'ici là, on aura pris quelques jeunes de plus dans le club. Parce que là, on n'a pas beaucoup de jeunes. Il y a des gens comme ça qui souhaitaient venir rejoindre un petit peu pour donner un coup de main. Tu leur dirais quoi? En bénévolat, avec plaisir. Hein. Bénévolat, avec plaisir, je leur dirais que, dans la mesure du possible, et si besoin est, on peut les héberger. Hein. Même si, c'est pas un hôtel, c'est un local, mais il y a toujours de quoi planter un matelas et faire dormir les gens. Ils sont donc nourris, logés, bien entendu. Et puis ensuite, on essaye de faire de se retrouver pour un bon repas pour les remercier. Et puis c'est du travail, c'est vrai que c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est à dire que c'est bien de vouloir donner un coup de main, mais c'est du bénévolat, certes, mais il faut un minimum de connaissances et puis de rigueur, et peut-être aussi il y a des consignes à suivre, mais il est vrai que aussi lourd soit le convoi, si on est suffisamment à le pousser, ça, il avance tout seul. Quelque chose qui aurait marqué comme ça, particulier sur ces 15 ans. Oui, la dixième qu'on a fait gagner une Harley Davidson. Les yeux de la personne à qui on a fait gagner une moto, une belle Harley Davidson avec 2 euros. Voilà, ces yeux-là. Après, il y a plein de petites choses. Ouais. Bien sûr, il n'y a pas une année qui est identique. Mais je suis... Je profite de pas grand chose, pas plus que les bénévoles ou les bayous, on travaille. Il est vrai que on n'a pas bien le temps de rester avec Pierre ou rester avec Paul comme on aimerait. Chaque instant, il y a, je dis toujours, toutes les 10 secondes, il y a un problème à régler, mais à la seconde, il faut le régler, donc on n'a pas le temps de rêver.